J'ai pris un temps de malade à faire le focus. J'ai dû faire plein de réglages là. J'espère que le focus il est bien sur ma tronche et pas sur mes genoux par exemple. Personne ne va s'asseoir à côté de moi, c'est juste que j'avais envie d'être sur mon canapé. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo wishlist. En fait, je me suis dit que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo wishlist et qu'on se rapproche de Noël, je me suis dit que ça pourrait être pas mal comme vidéo pour donner des idées à ceux qui ont pas trop d'idées de cadeaux, même si c'est très rare quand même, minimum. Du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement aller dans la liste de mes vêtements favoris, donc sur Asos et Zalando. C'est les deux sites sur lesquels j'achète le plus. Ce que j'aime surtout sur ces sites, c'est que genre on est remboursé rapidement et que les retours sont gratuits. Donc on commence avec Asos, c'est une veste en jean doublée avec le col fourrure là, le col fourrure blanc. Bon, je sais que c'est quelque chose que tout le monde a. Je me suis dit que j'allais pas le prendre, mais au final, je la veux. Je la veux parce que j'ai plein de sortes de vestes en jean, mais j'ai pas encore celui-là, donc ça serait stylé. Je l'ai mis en favori en L et en M. Je sais pas trop quelle est ma taille, je pense que je vais commander les deux et après on verra bien. Ça fait quoi si je me mets comme ça là? J'ai envie de... Non. Comme ça là. Là on est bien comme ça. En vrai c'est bon, je vais pas rester assis sur mon canapé chez moi tout seul. Du coup le deuxième article c'est un sweat bordeaux. Il est très très simple. C'est un sweat comme j'ai là maintenant, mais c'est juste qu'il est bordeaux. C'est juste que j'adore la couleur. Ensuite on a ce par-dessus. Alors ce par-dessus, je kiffe ce motif. Je le vois grave souvent ce motif. C'est un motif, je crois qu'on dit prince de Galles. Enfin, bon là c'est écrit à carreaux, mais je crois que c'est prince de Galles. Je le trouve trop trop stylé. En plus ça a l'air d'être la longueur parfaite. Le mec fait 1m83, je suis 1m82. Donc ça devrait bien tailler aussi. Il m'a l'air vraiment bien, nickel. Parfait. Je pense que je reproduirai la tenue que le mec porte. Ensuite c'est un pantalon, mais bon il est épuisé ça, j'ai vraiment trop le seum, je le trouve vraiment nickel. Il est taillé comme il faut et le motif je surkiffe. C'est quoi la matière? Je crois que ça doit être du coton. Ah ouais, comme il est épuisé, bon il n'y a plus la description, j'ai un peu le seum. Bon. C'est pas grave. Et enfin, pour une fois, je veux des sneakers. Des sneakers, celle-ci là, les Vans rouges. Je sais pas si les gens vont dire que c'est plus d'actualité ou démodé ou je sais pas quoi. Mais bon, je les trouve juste belles et simples et elles peuvent se mettre avec plein de trucs. Bon, ce sera pas vraiment pour cette saison parce que c'est un peu fini. La saison on peut porter des baskets en toile, mais bon, ce sera pratique pour le printemps. On anticipe toujours. Du coup, c'est fini pour Asos. Alors, c'est sur Zalando que je veux le plus de trucs. C'est des articles qui sont similaires, mais c'est des articles que je veux en plusieurs couleurs. On a d'abord ce col roulé. Celui-là, le gris, c'est celui que je veux le plus parce que j'ai déjà un noir. En fait, non, c'est pas celui-là que je veux le plus. Non, celui que je veux le plus, c'est le bordeaux. Je kiffe le bordeaux, j'adore comment ça rend. La couleur, j'adore, je trouve qu'elle me va bien. Donc, ouais, c'est celui-là que je veux en premier. Ensuite, le bleu clair. Et enfin, le gris. J'ai acheté un noir qui était là, là si on va là-dedans. Le black là, voilà, ici. J'ai acheté celui-ci et il me va nickel. J'ai un peu l'impression de me vanter quand je dis ça. Non mais il est vraiment top, donc je le veux vraiment en plusieurs couleurs. Ensuite c'est des jeans, bon c'est comme d'habitude des jeans skinny parce que je mets que des jeans skinny. Oh non, cette position. Du coup donc ouais c'est plusieurs jeans donc skinny, donc le bleu, le noir, le gris, tous de la marque Only & Sons, parce que ce jean que je porte là aussi c'est un jean troué, mais bon c'est quand même de la marque Only & Sons et je trouve qu'il me va nickel. Du coup c'est les mêmes, c'est juste qu'ils sont pas troués parce que pour l'hiver ce sera un peu tendu d'avoir des jeans troués je trouve. Donc voilà, même si je veux aussi celui-là là qui est troué, bon ce sera encore plus pour au printemps, en été, trucs comme ça. Ensuite on a plusieurs suites à capuche, je force vraiment, mais en fait j'aime trop les vêtements, c'est grave, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon pour moi. Donc ensuite, un capuche violet, un vert et un bleu foncé et un rose. Le rose, ce sera plus encore une fois pour le printemps. Mais ça fait des siècles qu'il est plus disponible celui-là, c'est abusé. Cet article est momentanément disponible. Bon, j'avais demandé ma taille qui était du S ou du M, je sais plus si c'était du S ou du M. Bon, on est deux. Bon, dans tous les cas, c'est pas disponible les deux. Donc, ouais, ça fait grave longtemps que j'attends. C'est trop l'histoire de ma vie d'attendre derrière les vêtements en fait. Une veste en jean simple, c'est juste la couleur que je kiffe et elle a l'air de bien tailler. Moi, quand je dis qu'une veste en jean est bien taillée, c'est que genre elle est courte comme il faut. Genre, elle est pas trop courte, mais pas trop longue non plus. Là, genre, elle arrive au niveau des fesses, je trouve ça bien. Et les manches sont longues. Parce que moi, j'ai un peu cette morphologie. Genre, j'ai un petit torse, mais des longs bras. Je sais pas si vous voyez le délire, mais enfin, c'est assez bizarre comme corps. Et 3 suites Adidas, alors ça, je vous dis la vérité, je sais même pas si je les veux encore. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans ma liste. Parce que contrairement à Asos, la liste de Zalando, elle s'efface pas au fur et à mesure. Du coup, ça doit faire bien 5 mois qu'ils sont dans ma liste et que je les ai pas achetés. Parce que c'est tellement pas ma priorité, je trouve toujours un truc qui est avant niveau priorité. Du coup, ouais, bah, ils restent là, ils attendent en fait. Du coup les gens, ouais, c'est fini pour cette vidéo wishlist. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aura donné un peu d'inspi. Moi je sais pas du tout par quoi je vais commencer parce que là on est en plein dans la saison des froids. Et ce que je vous ai montré c'est pas trop pour ça en fait. Je pense que je vais acheter les cols roulés et le par-dessus là. Il est vraiment trop stylé je trouve. Et la tenue du mannequin qu'il a porté, elle est vraiment top. Top, top, elle est simple. Enfin, c'est vraiment mon style en fait. J'aime bien, j'aime vraiment bien. Voilà, si la vidéo vous a donné de l'inspi et vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Insta et Snap et Twitter. Ouais, maintenant je suis actif sur les trois en vrai. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et courage pour affronter le froid parce que franchement, je sais ce que c'est, je le vis aussi. C'est casse.
Portez-vous bien, je vais bouger du canapé pour mettre la main devant la caméra. Portez-vous bien, tchuss.